remercions le Seigneur pour sa parole puissante et pour la dévotion et l'enseignement éclairant de son serviteur, Dr. Eden McAfee. Plus tard dans le service, après une période de témoignage, nous allons prendre la Sainte Cène ensemble. Donc, d'avance, m'a invité nous préparer un petit vin jus et un petit morceau de pain pour nous capables de prendre la Sainte Cène ensemble, l'aine presque arrivée dans fin service là. Maintenant, nous accueillons un autre artiste chrétien haïtien, Joël Lorquet. Joël Lorquet est né à Port-au-Prince. Il a enregistré ses premières chansons avec l'organiste Villard Anglade en 1984. De 1988 à 1989, il a suivi des cours de chant chez Madame Lina Blanchet à Pétionville, en Haïti. Il a pris des cours de solfège à l'Association des musiciens chrétiens haïtiens. Nous sommes heureux d'accueillir à notre célébration de la fête de l'Action de grâce l'artiste chrétien haïtien Joël Lorquet. Je reconnais un seul protecteur, c'est Jésus-Christ, vrai consolateur. Après lui, il n'y en a pas d'autre qui puisse nous guérir. C'est lui seul qui pourra donner la délivrance. Auprès de lui seul, je me sens très bien. Il m'a donné une richesse qui est sans pareil. Je serai avec lui.
quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma belle joie infinie. Loué soit l'Éternel, exalté soit l'Éternel. Merci Seigneur. Mon Dieu, nous m'en mérite des gloires. En tout temps, il mérite des gloires. Que bagaille au bon, il mérite des gloires. Que pas bon, il mérite des gloires. Ce que Dieu mérite, Dieu, c'est ça. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus les a vaincus, gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu saura déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos. Vous devez faire la volonté de celui qui nous a déjà témoigné tout son amour. En effet, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place, après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel profiter
présenter condoléances nous à en pile l'autre famille qui était frappée par le deuil, surtout dans la période de coronavirus. Beaucoup de familles, pas seulement dans la communauté de Boïsia, mais dans différents États, dans différents pays, dans différentes villes, nous pensons à toute famille sérieux qui est frappée par le deuil. Mais notre Dieu règne encore, il est vivant. Et nous saluons à souhait à tout, nous pensons en pile. À la famille Laborde, le couple Guénaud et Marie Laborde. Nous pensons à eux qui ont perdu un petit garçon. Condoléances à la famille et à toutes les familles éplorées. À cette étape, nous allons recevoir l'autre artiste chrétien, Ludric Jean-Louis. Ludric Jean-Louis began his gospel music journey since 1983, but was launched to fame and recognition after releasing his album titled My God, My Tradition. Ludric is creative, skillful, and exceptionally talented. His sonorous voice gives you the kind of songs that are inspirational and touches the soul. Crowds have lined the narrow streets to see this man from Galilee. Just a carpenter, some say, leading fools astray. Yet many kneel to give him praise. And in his eyes they glimpse the power that sees the heart of all men. And he knows his father's mind, and he speaks his father's words. For he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. Depend on you and the power of your name. And when we call upon your name, your strength through weakness to show, we can know the master's plan. Extend the master's hand when we come in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. Blessed is he who comes.
blind the narrow street to see this man from Galilee. Just a carpenter, some say, leading fools astray. Yet many kneel to give him praise. And in his eyes they glimpse the power that sees the heart of all men. And he knows his father's mind, and he speaks his father's words, for he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. Depend on you and the power of your name. And when we call upon your name, your strength through weakness to show, we can know the master's plan. Extend the master's hand when we come in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. Encore une fois, nous saluons tout le monde qui était branché avec nous jusqu'à présent. Nous disons encore une fois la paix, bon Dieu avec vous. Nous souhaitons que nous nous bénissions, nous continuions à bénir. Nous souhaitons que bon Dieu prenne grâce
bon Dieu prend gloire la donne. Nous connaissons bon Dieu prend gloire la donne. Nous souhaitons que nous nous bénissons. Nous souhaitons grand pile activité qui était toujours, grand pile témoignage vivant qui a béni nous. Frère et soeur qui vivent avec nous, grand pile bonne expérience capable d'aider nous spirituellement. Nous avons besoin de brancher avec nous pour capable suivre, continuer la continuité du programme. Nous arrivons là dans un moment extrêmement important dans la célébration de l'après-midi. Côté que nous prenons des témoignages vivants, des témoignages évidents de la grandeur et de la fidélité de Dieu. Et reconnaissance que nous avons célébré aujourd'hui, gratitude que nous avons célébré aujourd'hui, nous avons joindre dans le milieu côté nous vivre là. Nous avons joindre la caille nous. Nous joignons non bien fait que on nous fait pour nous, mais dans la parole de Dieu, nous avons des exemples de reconnaissance dans la Bible. Dans Somme 30, nous avons gardé côté David louer bon Dieu pour délivrance que bon Dieu t'a bali. L'El te dit, je t'exalte, ô Dieu, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Nous avons joué une reconnaissance et louange pour bon Dieu tout, dans des circonstances des fois très difficiles dans la vie. Nous. Toujours dans le psaume 30, dans le David qui a déclaré, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner des habits de fête. Dans le psaume 28, David manifestait comme ça, reconnaissance pour l'Éternel. L'Éternel t'a déclaré, béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Asroya, nous avons nous trois invités qui pourraient témoigner de la grandeur de Dieu. Nous avons pasteur David Faustin, Église Bread of Life. Nous avons avec nous la sœur Amélie Dorelus. Et nous gagnons également avec nous la sœur Florence Philippe. N'a pas passé la parole d'abord à pasteur David Faustin. Pasteur Faustin. Bon, madame, et les femmes d'abord, parce que nous avons deux femmes là, madame, et après place là, m'a cédé à Fabio et m'a parlé ensuite. Et le chant. Ok, nous allons chanter. Je chante dans 137, je chante pour moi, de façon pour nous faire plus bien, parce que nous sommes sous Zoom, nous allons amener tout le monde à chanter. Nous allons chanter 137 français, des chants d'espérance. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour, l'air éclat. Âme et sang, à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descends, j'attends le feu du ciel. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit, descends. J'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur.
Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, descends, j'attends le feu du ciel. Amen, amen, amen. Et comme on t'a dit avant ça, Pasteur Faustin, donc la parole à nos sœurs d'abord, et sœur Amélie, nous saluons et nous prêts pour nous attendre témoignage pour le Seigneur. Amen. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Et, amen. Dans le moment ça, peut-être on va connaître Kotoye, dans le pays où on va, peut-être on va attendre. Par contre, si c'est un matin, je vais dire bonjour. Si c'est un après-midi, je vais dire bonsoir. Que mon Dieu bénisse. Mm-hmm. Je suis content pour me mettre en place ça, pour me capable témoigner et dire qui ça bon Dieu y est, qui ça bon Dieu qu'a fait. Peut-être en pile, le monde croit que bon Dieu, son bon Dieu, qui te qu'on fait longtemps, et bon Dieu, la Bible. Mais la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Eh bien, moun sa que nous sommes devant nous, qui parle, c'est un monde qui te doué mourir. Parce que moi fait plus environ 3 ans, plus que 3 ans même, malade, interné, sorti de l'hôpital en hôpital, et aller dans le nursing home, retourner la caille, une semaine après, retourner à l'hôpital. Et non seulement retourner à l'hôpital, il y a de l'heure qu'on a chaque semaine pour râler de l'eau sur moi parce que j'ai un problème. Qui problème moi j'ai? J'ai un problème foie. Mais avant problème foie, j'ai un problème dans l'hôpital. Ils ont dit que moi pour l'opérer dans le cœur parce que j'ai 2 trous dans le cœur. Ils ont un sang qui a perdu dans le cœur. Ils ont mis quoi dans le ventre? Ils ont mis quoi dans le sang? Eh bien, il y a pas docteur. Côté au voyant, ils disent que côté au voyant, l'hôpital a très bonheur. Eh bien, pour être capable d'opérer immédiatement parce que je ne peux pas arrêter. Et moi-même, pendant que je suis à l'hôpital, j'ai prié le Seigneur dans l'ambulance de très tôt, côté que je vais mener ma lettre, j'ai dit Seigneur, prends devant. Attends-moi dans la salle là et prêtez dans l'ambulance là avec moi. Et l'homme arrivé, docteur, tu es supposé opérer immédiatement côté de l'arrivé. Le docteur a dit non, je ne vais pas opérer parce qu'il y a une infection. Il faut que traiter l'infection avant même que nous opérions. Eh bien, ça, c'était plan, mon Dieu. Et même docteur, ça a été dit, si yo te mette couteau sous moi, depuis côté de l'arrivée à son même cabane, tu as mené dans mon. Et c'est ça, il a dit petit moi. Eh bien, le, moi, quoi, mon Dieu. Et yo t'as bon conseil de médicaments, ça, yo dit, bien, que t'as fait tomber dans le coma, bien, que t'as bon toute qualité problème. Eh bien, yo pas de bon problème. Eh bien, bon Dieu, t'es entré dans le médicament, t'es prié, bon Dieu, t'es entré dans le médicament. Eh bien, le m'a regardé, ne sa, m'a dit, ne sa, mais comment ça y est? Est-ce que moi, ça va aller de mal en pire? Est-ce que parents, yon a changé, le dit, que système ou levé contre système ou pour le détruire? Je dis, oh, vraiment? Je dis, comment ça passe? Ou konn pi gros docteur nan li la ou konn ki esprit bon Dieu et c'est li ouais m'a quitté nom ici a et n'a konnen gon bon Dieu. Amen. Et bien pendant yo t'a fait toute qualité et examen pour moi pour être capable faire opération pour moi les regarder nan à 3h16 du matin. Et bien gon docteur qui réveille me dit dernier examen pour me faire pour me opérer a il dit Amélie ta gen opération encore. L'éternel travail. Mais ça passe. Mais ça passe, il dit, yo pa wè rien nan kèr pou opérer. Eh bien, foi, t'es toujours là, oui. Foi, t'es toujours là. Foi, t'es calmé pour environ 1 an. Mais après 1 an, foi a retourné encore. Eh bien, l'ap dégénéré. Tout le sa map mouté l'hôpital, map marché ka docteur, map marché nan nursing home, map marché ka docteur, map marché nan nursing home. M'a marché ka docteur et puis l'homme rivé vivon l'homme pas capable vote parce que vote mes hauteur quand on monde qui gagne dernier mois et bien l'homme rivé dernier l'homme pral ka docteur m'pral travail m'pral ka docteur docteur a tout kembe me dit non pas ka aller comme ça parce que et bien depuis le à 2017 c'était octobre 2017 jusqu'à 2018
m'étais interné, pas jamais retourné la caille encore. Tantôt m'aller, tantôt m'vini, tantôt m'rete dans le syndrome, tantôt l'hôpital. Et bien là, ils vont leur foi était vraiment vini vont leur dégénérer. Et non seulement vini tout nos tiso parce que y a pas l'empire de l'eau sous moi et ils vont leur parler chaque semaine pour râler de l'eau, mais ils vont leur pas râler de l'eau chaque semaine encore, ils râler de l'eau chaque deux fois par semaine. Et là, on râle de l'eau, ce n'est pas un petit de râle, c'est n'importe si l'eau de l'eau qui a râle. Eh bien, moi, j'étais confiant. Moi, j'étais confiant que je connais que Dieu est capable de faire qui choye, parce que Dieu n'a pas changé. Je connais que j'étais une foi de réserve. Eh bien, là, je vais dernier l'heure, pas une chance encore. Eh bien, docteur, j'étais bon, moi, 24 heures, l'heure pour m'opérer. Docteur, bon, 24 heures. Avant 24 heures, bon, 72 heures. 72 heures, elle vient 48 heures. 48 heures, elle vient 24 heures. 24 heures, l'heure a passé. Non seulement, j'ai des problèmes foie, mais j'ai d'autres autres problèmes encore, et puis j'ai une insuffisance rénale. Eh bien, malgré tout, mon appétit, parce qu'un jour, je me dormais, réveillais, je me fais combien? Je me fais 5 jours en coma. Réveillais, je me dis, c'est 100, c'est dialysis qui a fait pour moi. Bah, on est? Eh bien, tout le monde peur, moi-même, moi pas peur, parce que je connais que Dieu n'a pas changé. Amen. Eh bien, le docteur a dit, dernier, il a dit que bon, si nous pas jeune foi, bon, pas de chance. Mais c'était nous six qui étaient plus graves. L'is foi était long en pile, mais c'était nous six qui étaient plus graves. Moun sa yo, nous te mettez nous en quarantaine, captain la mort nous. Mais moi-même, pas inquiété. Mais il y a parlé, on t'y a parlé à côté, je pas inquiété. C'est quoi, mon Dieu? Eh bien, jusqu'à la dernière minute, l'heure que pagaie, l'heure passée, c'est qu'il y a une jeune dame qui a environ 32 ans qui font un accident. Eh bien, il fait accident avant de mourir, il dit, parfois, ba au monde qui a besoin. Mm. Eh bien, parmi nous, six personnes qui étaient en quarantaine pour nous mourir, c'était pour moins fois, c'est bon. Et bon Dieu permet que moi opérer, moi mettre foi, je mette foi pour moi. Et il y a quelqu'un qui dit, docteur, dis-moi foi bon pour moi à 100%. Amen. Et bien, moi, bon Dieu, bon la vie. Et puis je dis à me retourner dans le travail encore. Après, je suis opéré 20 mai 2018. Et bien, je dis à bon Dieu permet que je me camper sur deux pieds encore. Eh bien, moi, je voulais dire, ou même, peut-être ce résumé, je résumé en petit bagage baou de ça, mon Dieu fait. Et même, je voulais dire, ou même, qui peut-être pensait que mon Dieu, ça, son bon Dieu qui est loin, mon Dieu, ça, eh bien, mon Dieu, la Bible, longtemps, qu'on n'y a pas qu'à faire, il est toujours même genre. Il est toujours même mon Dieu, ça, qui est là. Sous pas ta fait, qu'on fait la paix avec Jésus-Christ, ça, que mon Dieu, ça t'a voyé, vin mourir, ou besoin de faire ça. Parce que le bagaille engagé, l'on pas connaît, les docteurs disent tout bagaille fini, mais bon Dieu, ça, il est toujours campé, bon côté nous. C'est ça, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et amen. Le visage ne se couvre pas de honte. Puisque nous sommes prêts dans lui, nous te faire confiance, et bien, il t'a agi. Ou même tout, souvent, joignez, ou faire confiance, et la agi pour tout. Amen, amen, amen. Amen, merci, sœur Amélie, nous voyons la grandeur de Dieu, la fidélité de notre Dieu. Et dans tant de vivre là, tant d'épidémies, de pandémies, de confinement, côté que nous avons un virus qui a circulé et que les hommes, tous les grands scientifiques, ils n'ont pas aucun contrôle sur le virus ça, parce que nous avons tombé dans une deuxième vague. Côté ce reconfinement qu'a fait tout partout en Europe, ici, etc. Eh bien, virus, ça, nous connaît que le causer en pile problème et le continue à causer problème. Et nous gagnons à souhait avec nous tous. Et Pasteur Faustin, capable de témoigner de ça. Mais d'abord, la sœur Florence Philippe, lui-même, lui subit épreuve dans le passage. Virus ça et n'a pas sœur Florence la parole qu'on y est là. Amen, amen. Frères et sœurs, la paix bon Dieu avec nous. M'a salué tout le monde qui attendait. Si c'est quel que soit côté nous, moi connais virus ça les frapper le monde entier. M'a salué tout le monde. Amen. Moi-même expérience pas moins
avec bon Dieu, c'est pas seulement dans virus là. Parce que si m'da vle parler pour me raconter ça bon Dieu fait dans la vie, moi pas t'a fin parler. Mais m'a dit nous en résumé ça l'Éternel capable faire pour moi dans moment pandémique ça. Moi a travaille dans un flor. Moi pas connais moun malade. Et moun yo c'est un petit section qui fermé qui gain 16 moun. C'est moun yo qui gain Alzheimer. So c'est moun yo ou en contact avec yo tout temps. Ou tout soit fait pour yo obligé à forcer ou à kembe yo, y a ralo, y a fait tout bagay. C'est dans section ça moi teye m'a travail nursing. Moi pas connais moun yo malade. Moi pas gagné rien, m'pa porter aucun protection. Là ça yo pote ko en bay pour moun mete masque. Moi même m'a travail. Mais cependant, yo vinn découvrir commencer gen case dans section pam nan, mais yo pa di nou rien. Nous tout nous rete n'ap travail et puis c'est wè nou wè moun yo ap malade. Et puis moi rete moi vini la ka moi gen en fièvre un jour. En fièvre un jour pas ta ka di rien parce que tout moun gen fièvre là. M'vinn la ka moi le m'vinn la moi prend température moi li 99.9. So m'gen fièvre là pour un jour et puis demain matin me lever, m'pa gen rien. OK? Kounya la deux jours après et mari moi vinn gen fièvre tout. But li même fièvre parlant, li vini l'aller pendant 4 jours. Jour qui t'a fait 5 jours nan lundi, travail moi relé moi nan dimanche soir, yo di demain matin pour me vinn faire test et pour virus là. Et puis moi di mari moi pral faire test là tout, mais relé docteur li pour docteur li voye m ki kote pou menel. Et puis moi levé vraiment dans lundi an, mal fait test là et puis moi retourné m vini là moi vin chercher mari moi li même ki dirije moi pou menem nan urgent care mal menem mari nan urgent care pou nan wè si c'est virus là ki gen ki bay fièvre là ki sa gen mais c'est pas que nou konnen nou te malade. Mais c'est moi menel vraiment dans premier urgent care là li yo pas gain opening yo di non c'est l'autre combien jours mari me dit li pas prêté li pral non l'autre me dit me pas connait li dit m'a menon mari menem dans l'autre là moi conduit mais c'est lui qui dirige m et bien rivé avec lui dans urgent care là yo prend kounya m chita m'attend pour vinn sorti côté moi c'est un monde moi qui vinn chercher tem li dim que mari m'bral l'hôpital. Mande pou ki sa que mari m'bral l'hôpital, yo di mwen li pa bon du tout parce que li fait corona, li gen tan pa ka respirer. Tandis que l'té là ensemble avec moi, m'pa de chanm té wè que l'pa de ka respirer. Et puis frère ma sœur yo monté ambulance la m'gardé l m'pa wè ça pour m'di, m'pa konn ça pour m'di parce que m'tande tout ça k'a passé dans l'hôpital. M'tande tout bagay, m'pa wè ça pour m'dil, m'seulement dil bon Dieu avec vous. Et puis m'tourne, monte machine mwen frè ak sèm yo, m'pa wè si pou m'rale bak, si pou m'fè avant nan machine là parce que m'pa konn kote mye. Kounye a mwen chita, bon Dieu te la ensemble avec mwen, bon Dieu dirige, bon Dieu di suiv ambulance la wap jwenn route. Kounye a le ambulance an déplacé, m'déplacé tout. Et puis kounya m vinn joine route mwen finalement m vinn la c'est pas que m pa konn route la non m vinn tête en bas avec émotion que mari m pral l'hôpital li gen corona m pa t'attend bagay comme ça c'est tout bagay mal passé à l'acheter tout bagay pour m vinn faire traitement pour mari mais moi même pa konn m de gen rien mais jour ça c'est comme ça bon Dieu menem nan kalan la m vinn chita la kounya nan demain yo relèm nan travail la yo di mwen gen virus la. M di OK parce que m deja fin
nom avec avec et histoire Marie mal l'hôpital là-bas là so ça vienne pas faire moi moi dit OK comme si c'était rien n'était même m'a dit nos frères et sœurs bon Dieu t'es avec moi là avec moi comme moi toujours dit bon Dieu prend André c'est parce que les besoins André pour on l'autre bagaille parce que André était toujours dans travail bon Dieu André pas de chambre négliger travail pour bon Dieu André qu'on quitte travail pour quitter bonheur pour là faire travail bon Dieu dit bon Dieu fait volonté dans la vie André c'est pas que bon Dieu pas la ca voyer André tourner bon moi c'est parce que bon Dieu voulait parce que moi même imaginons m'a baigné dans corona mais avec tout patient yo c'est yo gain corona tout coworker yo gen corona marim gen corona m'a dormi levé dans cabane avec corona imagine aussi bon Dieu pas faire volonté dans la vie moi pas tap là à soyan pour m'a parler comme ça pour m'a raconter merveille bon Dieu frère ma sœur yo moi pas jamais gen rien rien m'ba gen rien c'est Dieu dit m'gen corona m'ba gen rien m'ba tête fait mal m'ba gen rien du tout du tout du tout moi donc là pour compte moi m'a recevoir coup de fil l'hôpital m'a recevoir bonne nouvelle mauvaise nouvelle moi pour compte moi dans cala avec l'Éternel ni moi pas peur moi gen petite moi qui toujours a craser colle pour venir l'elle venir me dire ou ap rete dehors parce que ou gen deux petites ou pas venir prendre maladie là me fait rete dehors moi-même si tu as un escalier on m'ouvre porte là bien là pour parler avec les deux à côté lié moi-même à bon Dieu seulement dans calan chrétien jour Marie m'pral mourir moi-même avec nurse là m'a voyé email by nurse là pour mal à regarder Marie moi sous en vidéo dans jeudi matin me fin prendre prière pasteur Francis à 6h30 et puis moi voyé premier email en bainos là vers 7h30 il répond moi nous fin coordonner pour mal ouais Marie dans jeudi matin pour mal parler mal regarder le sous vidéo parce que moun pas ka aller l'hôpital mal regarder le sous vidéo kounya là sous même côté m'chita vers 9h m'fin coordonner avec nurse là vers 8h something et then m'chita même côté m'chita m'recevoir un coup de fil moi penser c'est follow-up y a fait avec moi pour parce que m'bral parler avec m'bral garder Marie sur vidéo pour m'parler avec lui et bien c'est docteur là qui relève qui ça le dit moi dans cas là pour compte moi Marie m'fait un mois 3 jours l'hôpital moi fait un mois 3 jours abdomen levé là pour compte moi avec bon Dieu dans ciel là pendant que au connon gen un virus ou regarder dans télévision ou après qui ça virus là fait yo dit que ou gen doit reconsor pas gen rien et pour bagarre la travail en dedans ou gen doit mourir même t'es là avec bon Dieu moi pas peur moi pas peur moi pas gagner crainte parce que me connais mon Dieu a fait volonté dans la vie jour mercredi ça l'heure relé men chrétien me là pour compte moi l'homme connaît parce que toute semaine André a c'est mieux la fait c'est mieux la fait c'est tant n'a tant pour ta relé nous pour dire nous yo a voyé le venir pour nous chercher parce que t'a fait mieux toute semaine la fait mieux la fait mieux la fait mieux connait le docteur relé men me connaissait dit au pral dit mais au pral retirer l'embar machine connait ça docteur dit Marie mouri. Moi pou kont moi nan kala m chita a terre. Et puis m'a pouye tête moi c'est sous cabane nan m té pou kont moi a terre là c'est là m té m pa jam monté cabane depuis là l'hôpital là ça t'aime toujours dormi. M'a pouye tête moi et ça m konnen m'a pouye tête moi konnen l'homme vin nan normal moi. M'ouvri yeux m péton rel c'est là ça m vin ka comprendre ça qui passé à me pétonrel kounya me rale téléphone commencer rele moun qui dit frère ma sœur merci mon Dieu pat là ensemble avec moi côté me té pas ça route là pour compte moi me pas d'ap ka revenir me d'ap tout aller ou bien si bon Dieu pat gen pat rentrer nan bonté pour te protéger moi nan moment ça me d'ap mouri s'il te vle prendre parce que nous connais nous toutes nous gen pour aller mais
gen yon seri de bagay ouè ki pase, bon Dieu epanyo de li, se paske li vle, paske li nan la vi ou. E mèm te la pou kont mwen pa sa out, pou kont mwen mreveni, pou kont mwen, jiska aske m ka rele pitit li yo pou m bay yo nouvel, rele lot moun l'eglise pou m bay nouvel. Mais bon Dieu pas quitter mourir parce que c'est pas le pam qui t'est arrivé. Bon Dieu pas quitter que me dépasse à route pour me tomber à terre. Bon Dieu permettre que me te touche ta à terre que me pas tomber c'est appuyer m'appuyer tête moi pas tomber parce que l'or tomber chrétien on doit frapper tête ou on doit frapper n'importe bagarre et pour compte moi dans cas là pas gain monde qui t'a ca aider même toujours dit que pas pour compte moi parce que me gain 10000 anges qui a veillé qui ensemble avec moi chrétien nous pas besoin peur moi même moi dit que dans témoignage pam moi perdu oui me perdu mari mais bon Dieu lui même li gagné parce que li nom ça que le gagné li pas gagne aucun chance pour le ta pour t'a perdu encore parce que li gagné nom ça bon Dieu gagné moi même moi perdu c'est moi qui dans tristesse mais bon Dieu lui même li dans la joie parce que le sauvé nom ça nous perdu au monde li fait mal absence l'en brûler mais mettez confiance nous dans bon Dieu parce que si bon Dieu te vle moun nan rete vivant li tap fèl rete vivant même si c'est li te rale machine nan même si c'était nos la qui fait mistake qui rale machine nan bon Dieu tap sauver moun nan c'est parce que le pa vle sauver nous pas jamais ka konnen comment ça passer parce que c'est mieux le tap fait chaque jour la fait mieux jusqu'à ce que machine nan te get arrivé sous 30 yo descendi sous 30 m gade blood pressure li m gade tout a fait li tout ba li te bon mais c'est pas de volonté bon Dieu on bagay passé li bon Dieu prend moi pas prêter dans tristesse parce que moi connais qui côté l'aller la suite à dans Saint d'Abraham la prendre résurrection moi-même nous-mêmes n'a mettre tête nous ensemble pour nous travail pour nous continuer faire travail là pour jusqu'à ce que le panneau va arriver pour nous joindre une place pour nous chita parce que la vie nous pas mettre li c'est bon Dieu qui met la vie li fait salver avec nous même nous laguer nous dans mel li même la protéger nous moi même si bon Dieu te ka fait ça pour moi li ka fait pour nous tout l'on perdu mon nan li fait mal c'est vrai mais depuis il t'a accepté Jésus comme sauveur li nous connaît li pas perdu mon ça li devancer nous li aller l'altan même Jean nous gain pour aller li même li gain t'aller devant l'altan absence l'embrouille vraiment me comprendre et me sentil moi gagne encore moi gagne toute bagaille devant mais moi gagne bon Dieu dans tout moi fais confiance l'a toujours avec moi le pape jamais abandonné nous même tout si nous t'arrivé dans un moment comme ça nous t'a perdu au monde mettez confiance dans bon Dieu mandez bon Dieu pour le ban force parce que là pour me faire enterrement Marie si bon Dieu pas de bonne force Marie pas t'a enterré. C'est de bon Dieu bon force pour me capable camper pour me capable faire enterrement André. Bon Dieu t'est tendé moi, lui aider moi faire enterrement André. Et ben chrétien, restez ferme dans le Seigneur. Croire dans bon Dieu parce que bon Dieu lui capable. S'il pas font bagarre c'est parce que le pas voulu. Croire dans bon Dieu, moi croire dans bon Dieu, la paix bon Dieu ensemble avec moi. Amen ma sœur. Et connais bien parole là dis-nous. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté Amen. En Jésus-Christ. Amour, ça a environné, amour, ça a solidifié, et même dans mi-temps et douleur de la séparation, mais l'amour de Dieu a quimbé. Et donc, on est que frère André, il quitte un témoignage extraordinaire sur le modèle de vie que monde doit suivre. Et la témoignage qui était fait pendant toute semaine veillée, frère André, nous devons attendre tout le monde à témoigner de la bonté de ce frère et son exemple qui était pour toutes, pour des générations, pour la jeunesse là qui a suivi, bon exemple ça. La paix du Seigneur à vous. Et maintenant, il a passé le dernier mot à pasteur David Faustin qui en même temps
a conduit nous dans la communion, et mais n'a quitté pasteur, dis-nous deux mots avant d'entrer dans la communion. Après, bonjour avec nous, moi salue tout le monde qui attendait dans le Jésus. Moi content de ce que moi attendais, témoignage de deux servantes qui fait vente, qui passait des péripéties, mais mon Dieu était avec eux. Et moi-même tout, moi mon témoignage que me donne partager avec nous. J'espère que nous avons béni dans le témoignage ça, que Sœur Florence, que Sœur Amélie et moi-même, Pasteur David, a partagé avec nous. Non, moi, qui suis passé, ça va être facile pour moi. Parce que le 2 septembre, moi, j'étais allé en mission. Nous avons deux stations pour l'église Word of Life, Bible Fellowship. Nous avons Silver Spring et nous avons Bismarck, North Dakota. L'année passée, moi, pas de capable d'aller. Parce que l'année passée, papa m'a mouru. Moi, je ne suis pas allé au Mounio. Donc, moi, je suis venu 2 ans, j'ai décidé d'aller moi-même, madame, moi, avec le petit dans la carrière et l'autre pasteur de l'église. Nous partis le 2, nous arrivons le 3, nous faisons 23 heures de temps à conduire nos campions en route. Et lorsque nous arrivons le 4, 5, 6, nous faisons mission. Et le 6 qui est dimanche, nous prenons la scène ensemble. Et dans l'après-midi, nous ne dormons pas dans l'hôtel là, nous prenons route là. Nous allons, nous dormons au Wisconsin et demain matin, nous prenons route là, nous traversons plusieurs États pour nous arriver à Maryland le 8, qui est mercredi, qui mardi, à 1h03 du matin, nous arrivons à la Cama. Donc le 9, 10, 11, moi, pas aucun problème, moi, sentiment forme. Mais le 11, nous avons gagné conférence des hommes dans Bread of Life. Et dans la conférence des hommes, dans le premier jour, c'est moi-même qui ai dirigé la conférence. Et ma boue en pile de l'eau, me senti gorge, me gâté, me senti mal grippé. Et dans demain, qui c'est 12, samedi, qui était le deuxième jour de conférence, je ne peux pas parler. Je ne participe pas à la conférence, je fais dans Zoom, où on n'est pas ramené mon ensemble. Nous fait dans Zoom, mon tout partout, Canada, Haïti, et Bismarck, participer, et partout dans les États-Unis, participer. Mais je participe dans le deuxième jour. Yo ka wèm même pas parler parce que voix m'gen tan aller. Donc dimanche moi gen tan pas ka prêcher, m'pa ka parler. C'est ou l'autre monde qui vient prêcher dans jour ça. Donc depuis lors, c'est la fièvre, c'est tousser, c'est corps fait mal. M'pa c'est 7 jours de péripétie, mais madame était là avec moi, t'es aidé en pile et en pile l'autre monde les membres l'église t'es porté remède. Tu prends soin. En pile prière, il y a un monde qui te peur, il y a un monde qui a texte moi qui peur parce qu'on est en pile pasteur qui mourit particulièrement avec COVID. Mm. Et non seulement ici, dans la communauté Panouan, et dans l'État de New York, l'État de Floride, et même en Haïti, moi-même personnellement, je connais pasteur qui mourit, deux pasteurs qui mourit. Donc, ça a fait un pile monde peur, mais un pile monde est en train de prier. Toute l'église, tu as prié pour moi, tous les amis qui te connaissent, que je ne vais pas bien, tu as prié pour moi, mais bon Dieu, passe avec moi. Amen. Et après, dans la semaine, lorsque nous entrons 19, dimanche 19, moi, j'ai un sentiment fort, moi, pas gagné aucun symptôme. Mais entendu, je n'ai jamais allé faire test qui prouvait que j'ai gagné COVID. Mais j'ai senti tous les symptômes honnêtes. Toutefois, lorsque moi, pas senti symptômes encore, mal fait test, test là, il est négatif. Donc, bon Dieu, qu'on fait route, qu'on n'a pas gagné route. Amen. Et la Bible dit nous que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Et c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Donc, moi, je voulais encourager tout le monde qui peut-être ou senti symptômes de COVID, ou senti ou pas qu'à respirer, ou qu'il y a la fièvre, frisson, la nuit, tout quoi font mal, ou à tousser. Donc, symptômes, ils sont multiples. Si vous sentez symptômes, pas qu'un ça secret. Parce que nous avons une mentalité côté que les gens, ils comprennent que des fois, les gens ont COVID ou ont mouru. Si vous regardez les statistiques, il y a plus de monde qui vivent que de monde qui mourent. Donc, la mentalité, ça, c'est pour nous-mêmes, haïtiens, nous retirer la tête. Comprenant que depuis le monde qui a COVID, il faut mourir quand même. Regardez les statistiques, yo, et là, ouais, que n'est pas en réalité, nous ne pouvons pas penser comme ça. Et lorsque le monde qui a COVID, ou même, c'est prier pour lui, parce que COVID, là, it's not a respect of person. Non. COVID, là, il prend n'importe qui monde, et nous, ouais, ça. Amen. Donc, ce n'est pas au moment pour n'a parler en pile, c'est pas au moment pour n'a acculer mon dans qui gagne COVID là.
mais c'est un moment pour nous entrer dans la prière parce que ou même qui a critiqué au monde qui a COVID, if you live, you will see. Yeah. Ou vivre, ou va, ouais. Donc, pas mm-hmm. essayer de mettre dans la position côté que au lieu d'aider au monde dans la prière, mais c'est utiliser bouchou dans une façon qui est négative pour capable acculer le monde, pour capable craser le monde. Parce que moi-même, moi, il y a des gens qui relèvent, qui disent, yo, ouais, ça pour moi, yo, ouais, je COVID quand même. Je me dis, qui genre? Quand les gens qui relèvent, ils disent, oui, je devine la carole, dépasser et devant la carole, pas d'entrée, moi, je ne pas de gang. Je dis, mais quel rapport? Je ne suis pas de gang. Et par la suite, on a relèvent pour l'excuser, on dit, pasteur, je ne vais pas parler avec vous, ça ne va pas parler bien. Je dis, mais lorsque les gens ont des difficultés, ce n'est pas acculer pour acculer, non. C'est prier pour nous prier pour lui. COVID n'a pas de monde qui connaît, qui j'en prends. Et c'est travail pour m'aller dans la mission. En plus, le monde qui travaille dans l'hôpital, c'est travail. Il y a toujours allé travailler dans l'hôpital où il y a mété à terre. Donc, c'est pasteur, mais il y a l'église dans Maryland, il y a l'église dans North Dakota. Je ne vais pas arrêter Maryland et je ne vais pas aller dans North Dakota à cause de COVID. Donc, quand bon Dieu maintenant. Quand bon Dieu m'a servi à qui m'a guéri à. Quand bon Dieu m'a servi à que m'a dit bon Dieu. Qu'a fait tout bagay. Donc, tout bagay, la COVID, guéri COVID, maladon, pas rien que mon Dieu, pas capable, pas de maladie que mon Dieu, pas capable de guérir. Donc, moment que me dépassé, il n'est pas du moment qui était facile. C'était un moment qui était extrêmement difficile. Lorsque je parlais avec le docteur à travers Zoom, docteur a dans Zoom, il y a un masque dans la figure, il m'a dit, c'est le docteur a peur pour me babal. Pour me babal COVID, non. Lorsque je parlais, il dit, il suspecte. Que c'est COVID que m'y est. M'y dit, ok, m'y dit, quand on suspecte que m'y est COVID, ça va faire ça. Qui soit qu'à prescrire. Il dit, elle fait test. M'y dit, mais si m'y est COVID, m'y dit, elle fait test encore. Ou pas sûr de tête ou. Donc, m'y dit, elle fait test. M'y prend un remède haïtien, tombe dans feuilles, tombe dans citron, gingembre, girofle, et remède, yo marché. Donc, je dis à bon Dieu, permettre que moi vivant pour me capable témoigner la gloire de Dieu et pour continuer servir mon Dieu et quel que soit côté mon Dieu voyez moi pour aller parce que le bon la santé pour ça. Amen. Est-ce que ces précautions m'a prêté depuis un mois? M'a prend précaution depuis un mois. C'est pas mon précaution qui fait mon pas rien COVID, c'est mon Dieu qui a protégé moi. Donc mon mentalité que nous de combattre mentalité que si mon nom COVID, son bagage mal fait qui fait beaucoup. Amen. Tout le monde qui a pris COVID, COVID pas respecté. Amen, amen. Tout ça nous fait, c'est prendre remède, prendre caution et puis faire bon Dieu confiance et puis parler bien avec bouche nous. Connaît ça que nous dit avec bouche nous. Puis nous maudit monde parce que pendant que maudit monde, on a environné tête de malédiction amen. Sans qu'on connaît. Donc, bon Dieu délivre, bon Dieu délivre tout le monde qui l'a qu'à moi. Bon Dieu, délivre tout le monde qui est autour de moi. Ce n'est pas précaution que nous ne prenons pas. Ce n'est pas remède que nous ne prenons pas. Mais de pouvoir vivre sur la terre, toute bagaille est possible. Regardez Job. Jean-Job, tu as perdu toute famille. Est-ce que son bagaille mal que Job te fait? Job est malade. Toutes amies lui appartiennent. Il a dit c'est ça, il fait la payer. C'est parce que les péchés qui font la position. Ça. En nous servant, bon Dieu, avec fidélité. Et lorsque nous sommes dans un moment difficile, bon Dieu, pas jamais oublier. Moun qui l'a servi avec fidélité. Moi-même, je suis content de ce que maman avec papa, héritage que j'ai quitté pour moi, c'est l'évangile. C'est pas l'âge, hein? C'est pas terre. Mais j'ai appris à aimer moun, j'ai appris à respecter moun, et j'ai appris à servir mon Dieu avec fidélité. Si je l'ai servi mon Dieu avec fidélité, peut-être que COVID, ça a été à tout aller avec moi. Il a tout pour l'aller avec moi. C'est pas que moun qui a allé, j'ai pas servi mon Dieu avec fidélité, mais moi, je voulais. Fais-nous connaître que si nous avons un monde qui a COVID, ça nous doit faire, c'est prier pour lui. Ce n'est pas chercher à connaître qui ça fait le COVID là, parce que personne ne va qui le prend, ni qui bon le prend. Donc, moi, content de ce que nous avec nous dans la journée de l'éternel, journée de reconnaissance à l'éternel. Moi-même, moi reconnaissant pour ça, mon Dieu fait pour moi. Moi reconnaissant pour ça, mon Dieu fait pour famille, moi. Dans l'église, moi j'ai entré trois mondes dans le COVID. Et m'a prié pour mon Dieu protéger tout le monde qui fait partie non seulement de Bread of Life, mais tout le monde dans la communauté, ça, côté que nous vivons, tout le monde qui attendait nous, qui a participé avec nous dans la journée de reconnaissance à l'éternel, pour capable de faire mon Dieu confiance, et puis lui-même l'a agi pour. Amen, donc, amen. Moi bien, moi en forme,
Mais ça va me dire que je ne prends pas précaution. Je toujours prends précaution que je ne prends mais pas de côté, bon Dieu dit m'aller que je ne vais pas aller. Et quelque chose à ça, côté bon Dieu dit m'aller, bon Dieu qui dit m'aller, il y a un pouvoir pour le protéger et il y a un pouvoir pour le faire tourner en bien. La paix, mon Dieu, avec nous. Amen, amen, pasteur. Depuis le 6, moi, tu prends la scène. Depuis l'homme, pas prendre la scène encore. Depuis le 8 mars, l'Église nous a rencontré, Brother Vlad, Baro Fellowship, BLBF. Depuis le ça, nous pas rencontré face à face encore. Nous fait service dans Zoom, nous fait service dans YouTube, nous fait service dans Facebook Live, nous fait service à travers téléconférence, mais nous pas rencontré face à face. Donc, tout ça, c'est précaution que nous prenons pour nous capables de protéger tout le monde, afin que tout le monde soit capable de performer. Donc, je dis à nous aller prendre la scène. Nous-mêmes qui sommes témoignés, ça, Jésus fait pour nous. Amen. Nous aller prendre la scène ensemble. Et m'appeler un texte pour nous dans Jean, chapitre 13, verset 34-35. Côté que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. En nous continuer, remettre une lotte, en nous continuer, travail pour le Seigneur avant de la coucher, parce que il y a un pile sur la coucher pour eux, mais nous-mêmes qui sommes derrière, en nous faisant ça qui selon la volonté de Dieu, afin que lorsque le soleil nous couche, nous va songer nous, et positivement, nous ne va songer nous comme un monde qui a bas problème. Comme le monde qui a dit, et l'aller au content, mais le monde va regretter de ce que nous allons, le monde va sentir que nous manquons en pile. Donc, on nous travaille chaque jour pour le Seigneur, 24 heures de temps que mon Dieu va nous en, on nous utilise pour nous capables d'aller de l'avant. On nous prie sur les mains avant que nous prenions cette scène-là. Père d'amour, nous bénissons de ce que tu as nos possibilités pour nous être capables avec Dr. Williams dans le moment ça, pour nous partager témoignage nous. Avec tout le monde qui t'attendait. Nous disons merci pour la délivrance que tu fais pour ce Amélie. Pendant 3 ans, Seigneur, il t'a pris sa carte avec maladie, mais on permet que le campé de jambes, je dis. Nous disons merci pour ce Florence, il n'y a pas de Marie avec lui, mais nous connaissons Marie dans les bras de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, je dis merci de ce que je dis. Moi, vive pour me capable raconter la gloire de Dieu. Moi, vive pour me capable témoigner ça, mon Dieu fait pour moi. Et je dis à si des gens qui ont COVID, si des gens qui ont symptômes COVID, pour être capable de connaître que ce n'est pas tout le monde qui a COVID qui peut aller, mais qui a capacité et pour faire de confiance, pour témoigner la gloire de Dieu qui jaillit, qui délivre, qui guérit, qui protège. Seigneur, mon Dieu va bénir pain ça que nous allons manger, qui représente le corps du Christ qui était meurtri pour nous sur le bois du calvaire. Et vin ça que nous pourrons boire, qui représente le sang de Christ qui était versé pour nous, afin que nous soyons capables de gagner la vie, nous soyons capables de recevoir le pardon de nos péchés et nous soyons capables de gagner accès au trône de Dieu. Permettre que nous allons continuer à servir. Et toutes les fois que nous avons mangé ça, toutes les fois que nous avons boire sans ça, nous annoncer la mort du Seigneur qui bat nous la vie, la mort du Seigneur qui bat nous la victoire, jusqu'à ce qu'il retourne pour être capable de prendre nous, nous va avec lui pour tout le temps. Bénis le Seigneur et bénis tout le monde qui à participer dans le programme ça, dans le jour ça, afin qu'il va servir mon Dieu jusqu'à ce qu'on va venir chercher. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, moi, j'ai fait ça ensemble, qui c'est le symbole du corps de Christ qui était brisé pour nous sur la croix du calvaire. Amen. Après que les disciples ont fini de manger, Jésus prend une coupe et lui dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. L'alliance était qu'on fait à travers 100 bêtes. Et Jésus est venu, lui-même qui pas de guécher, lui-même qui pas de monde, lui est venu capable d'un homme pour être capable de guérir, afin qu'il soit capable de mourir pour nous, pour être capable de nous la vie. En nous boit vers ça, qui est le symbole du sang de Christ qui était versé pour nous. Oui. Père d'amour, nous disons merci. De ce côté, nous avons possibilité pour nous être capables de raconter ça qu'on fait pour nous. Nous vivons pour nous être capables de dire bonté à moun qui attendait. Et Seigneur, nous demandons qu'on va aider moun qui attendait pour nous faire confiance. Même Jean, nous trois, nous te faisons confiance. Et dans un moment difficile, pour être avec nous,
pour permettre que nous continuions à vivre, pour nous raconter ça Jésus fait pour nous. Bénis-nous, Seigneur, et permettre que le programme ça va faire monde songer que faut nous prenons pour nous remercier, mon Dieu, parce que mon Dieu va nous 24 temps à chaque monde pour nous capable faire ça que nous besoin, mais nous besoin de servir, pour nous capable mettre temps à part pour nous servir, mon Dieu, chaque jour jusqu'à ce que nous va avec Jésus dans la gloire. Bénis-nous et assistez-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et là, nous sommes ensemble manifester reconnaissance nous à l'Éternel pour tout bien fait li fait dans vie nous. Et même les moments difficiles, nous connaissons que parole la certaine et sûre, promesse la certaine, le Seigneur va jamais abandonner nous, va jamais délaisser nous. Amen. Et nos mêmes responsabilités nous, c'est continuer bah la gloire. Faut toujours, Jean-Paul l'a dit nous, abonder en action de grâce, c'est-à-dire dépasser, c'est-à-dire amplifier. Amen. Toujours apprendre le Seigneur gloire, honneur et majesté qu'il méritait. La paix et la grâce du Seigneur avec vous tous. Amen. 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 Merci. Amen. Thank you.
All the glory to the Lord. Bon Dieu non puissant, bon Dieu non vivant, et parole là dit nous, soyez toujours joyeux. Et parole là dit nous, rendre grâce à l'Éternel en tout temps. Et c'est dans la joie que n'a mette fin à programme après-midi, à service d'action de grâce à l'Éternel. Et la joie, ça, n'a remercié Sarah et Jean-Pierre Junior Leroy, qui ont même fini soirée avec nous sous une note de joie. Joie, ça, que l'Éternel m'a dit pour nous gagner. Et si m'a remercié Sarah et Jean-Pierre Junior Leroy, m'a tout profité, remercier maman, yo. Fridzi Leroy, qui lui-même t'a assuré toute partie technique programme ça. Et moi remercier également dans le groupe là, dans le comité là, remercier participation de pasteur Faustin, David Faustin de l'église Bread of Life, et nous remercier également deux dévouées servantes du Seigneur, Myriam Jean-Georges et puis Ève Michel. Je remercie également Adèle et je remercie également de loin Laurie qui est même tout participé dans toute activité, de même que Lynn Williams, petite fille, qui est même entourée pendant que nous avons fait la présentation. Je veux remercier tout le monde qui était avec nous pour nous louer ensemble le nom de l'Éternel. Et je remercie de façon d'une façon particulière le pasteur Dr. Eden McGuffey, qui depuis Montréal t'est livré pour nous un message puissant pour rappeler nous comment il est important pour nous toujours louer le Seigneur. Nous remercier tout groupe, tout musicien, yo, tout le monde qui t'a aidé nous, tout le monde qui t'a conseillé, tout le monde qui t'a avec nous, qui témoignait pour nous asseoir de la grandeur de Dieu. Donc, on nous continue dans l'esprit de témoignage ça, de l'amour de Dieu. On nous continue dans l'attitude de gratitude ça, de façon permanente. J'en, nous tendez le message là à soir. Et frère Maxemio, nous n'entendons très difficile ces jours-ci. Côté que nous voyons qu'à travers le monde, nous avons des problèmes, des cataclysmes, des dégâts, il y a des catastrophes de toutes sortes. Pendant que côté n'a vivre là ici aux États-Unis, nous on a une tension n'a vivre sur le plan social, sur le plan politique. Dans le moment que nous en période de transition gouvernementale. Priez, pas simplement à suivre nouvelles, pas simplement arrêter non esprit de scandale, mais c'est pour nous prier mon Dieu. C'est lui seul qui peut la délivrance et à soi nous en pile témoignage de délivrance. Notre Dieu règne encore. Et pas oublier, chers amis chrétiens, nous tous, que nous haïtiens, que nous pas haïtiens, pensez à pays d'Haïti, qu'à travers ces cougnets-là, un moment de crise extraordinairement grave, côté instabilité, insécurité, installée dans le pays, et encore une fois, tout l'autre jour-là, un pasteur, un jeune pasteur et jeune madame Mie qui était enceinte et bandit entre la caillou assassiné. Donc, c'est des choses que nous n'avons pas faites pour nous prendre compte ça et puis pour nous tendre, mais c'est pour nous rester dans le pied, bon Dieu, pour nous prier pour la délivrance d'Haïti. Donc, c'est une responsabilité, nous, même je n'appelle pas, bon Dieu, gloire, je n'appelle pas, bon Dieu, louange, pour nous continuer implorer secours pour la situation de ce monde et pour la situation d'Haïti d'une façon spéciale pour que nous soyons capables d'entrer dans un temps d'humanité, pour nous entrer dans un temps de vivre ensemble qui est harmonieux, qui est agréable, pour nous entrer dans vie abondante, ça, que le Seigneur ban nous, mais pas en vie de chicane en permanence. La paix, mon Dieu, avec nous toutes et avant que nous clôturer service là. N'après devant le trône de grâce. N'a fait place Kounia, à pasteur Jean Séjour, un serviteur très zélé, qui, dans le service du Seigneur, dans la mission,
l'église Living World International Christian Church dans Silver Spring, Maryland, pour prière finale, nous, pour clôturer service-là. N'a pas cédé la place, qu'on y est là, pasteur Jean-Séguy. Alléluia, alléluia. D'éternité en éternité, ô Dieu, où c'est Seigneur, où c'est le Créateur de l'univers, Seigneur, nous disons merci. Merci pour cette bonne journée, Seigneur, notre Dieu. Nous, ensemble, cher Seigneur, réunis ici dans mon bassin, Seigneur, pour que nous célébrions bien faire ou yo, cher Seigneur. Je ne sais que nous mettez à part de vous aider. Journée de connaissance, de reconnaissance à l'Éternel. Nous disons merci, Seigneur, pour tout ça qui fait dans ce message. Merci, ô Dieu, pour prier sans sou. Ô, nous louons, Seigneur, comme il dit dans le psaume 100, versets 4 et 5. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, louez-le. Et c'est ça que Dieu a dit. Car c'est un bon Dieu. Bonté ou cher Seigneur, durez toujours. Et fidélité ou de génération en génération. Papa, merci. Merci au Dieu pour présence, comme nous dit déjà, ou te présenté ou là. Dans le moment ça, pour accepter action de grâce ça. Pour accepter, cher Seigneur, chance à eux qui chantait. Pour accepter, ou éternel, notre Dieu, prière à eux qui déjà monté en reconnaissance à vous-même, Seigneur. Nous disons merci. Merci et merci encore. Non seulement éternel notre Dieu, une fois par année, communauté ça réunie pour célébrer, réunie pour exalter, réunie, ô Dieu, pour présenter à vous-même reconnaissance nous. Mais Seigneur, ô Dieu, c'est chaque moment, chaque minute, chaque seconde dans la vie, nous devons reconnaissant et nous reconnaissant. Comme le dit dans le psaume 150, verset 6, tout ce qui respire loue son nom. Oh, alléluia. Merci. Merci, merci pour ce programme. Merci, oh Dieu, pour cette opportunité que nous gagnons pour que nous adorions, pour que nous remercions, pour nous jeter à tes pieds, oh Dieu, louange nous, oh éternel. Merci pour tout ça qui fait. Et, oh éternel, notre Dieu, merci pour tout ce qu'on fait déjà. Et ça va faire dans la vie. Soit que, oh éternel, notre Dieu, matériel et spirituel. Merci, oh Dieu, pour tout ce qu'on fait collectivement dans la vie. Non? Et merci pour tout ce qu'on fait individuellement dans la vie de chaque monde, cher Seigneur, notre Dieu, qui pense à sa célébration. Ça. Nous disons merci pour présence, au Seigneur. Merci, oh Dieu, pour tous nos frères et sœurs qui réunis dans le moment, ça, cher Seigneur, pour célébration. Ça. Mais nous en mettons, Seigneur, bénis-le, éternel, notre Dieu, d'une façon spéciale, nous lever devant, au cher Seigneur, notre cher et fatigable frère, notre docteur Fred William et famille, cher Seigneur, qui en fait, oh Dieu, aidez-nous, enseignez-nous, éternel notre Dieu, et encouragez-nous, cher Seigneur notre Dieu, à remettre action de grâce à vous-mêmes. Nous disons merci, merci pour tout ça que faites, cher Seigneur. Merci pour présence. Nous t'en prions, oh Dieu, non pas parce que nous sommes bons et dignes, mais nous prions parce qu'on mérite ça. Nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Et Amen. On a remercié tout Dr. Williams qui préservait la tradition. Ça. On a dit merci, merci pour le travail qu'il a fait et Adèle pour le bon travail qu'il a fait pour nous toujours songer. Pour une baille, bon Dieu, gloire. Et Kounia, c'est pas le moment bénédiction. Et en général, après bénédiction, toujours inviter tout le monde à passer pour nous manger ensemble. Mais, année ça, puisque nous pas qu'à manger ensemble, groupe là, t'es décidé, faire tête inconfortable pour yo offrir nous un blessing, nous t'es qu'à dire à soir. Donc, nous dit bon Dieu, merci. Et, bénédiction pour tout le monde qui t'attendait. Mais blessing. Hi, my name is Jean-Pierre Leroy from Love Learning Music, and I want to take this time to bring you into a moment of worshiping the Lord, and we're going to sing together in multiple languages and follow along with us. It's called The Blessing. Thank you.
make his face shine upon and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Let's sing all together now. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas,
rire sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Amen, amen, amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Et bonne action de grâce continue à tout le monde. Bonne soirée, bonne nuit. Amen. Amen. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous tous. Dieu bénis nous. Amen. Amen. Bon Dieu bénisse.